Construire les palogrammes suivants en vraie grandeur. Petit a, IJK est un palogramme tel que ceci, ceci, cela. La première chose que je conseille toujours, faites une figure en main levée. IJKL. Une esquisse, quelque chose qui ressemble à un palogramme. Alors, quelles sont les données? JK3. KL 6, JKL 52. Oh là, bien sûr, 52, c'est un angle aigu, celui-là il est obtus, mais on obtient l'idée qu'une esquisse meilleure, 6, 52 et 3. Bien. Et maintenant, pour le construire, comment faire? Ben regardez. Je relis J avec L, et bien sûr que tout le monde connaît comment construire le triangle JKL. Depuis la sixième, JK, 3 cm, un angle de 52 degrés, et puis un côté de 6 KL. Et puis, pour arriver au palogramme, on va relier J avec L, et on va utiliser une propriété très sympathique, que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, je considère le milieu de JL, O, que je trace bien sûr comme en sixième. Et puis, où se trouve I? Où se trouve I, vous avez deviné? C'est qui I par rapport à K? Allez, I par rapport à K, c'est qui? Je rappelle, ce morceau est égal à celui-ci. Et ça, c'est aligné. Oui, vous l'avez trouvé, I. C'est le symétrique de K par rapport à O. Je reporte au K de l'autre côté pour trouver I. Et je relis, et bien sûr, avec les instruments dont je viens d'utiliser. La règle, le rapporteur et le compas. EFGH est un parallélogramme tel que patati patata. Comme j'ai dit tout à l'heure, je construis une esquisse, E, F, G, H, un croquis si vous préférez. G, H, 4 cm, E, G, la diagonale 7, F, G, 5. Comment le construire vraiment? Je vous rappelle que dans parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. 5, 4. Eh bien, c'est facile. On n'a qu'à construire le triangle EFG de côté 4, 5 et 7, comme en sixième. Et puis, l'astuce, je prends le symétrique de F par rapport à O, le milieu de G, EG, et je considère le triangle, et je considère le point H. Ou si vous voulez, vous construisez de l'autre côté le triangle EHG de côté 5, 7 et 4. Évidemment, l'astuce est que ça existe parce que chaque côté de ce triangle est plus petit que la somme des deux autres. 7 inférieur à 4 plus 5, 4 inférieur à 7 plus 5 et bien sûr 5 inférieur à 4 plus 7. Ce parallélogramme existe vraiment. Et le dernier pour la route, ABCD parallélogramme tel que tatata, considérons d'abord une figure à main levée, comme je conseille toujours. Les données sont AB5, BAC, BAC, 35 degrés, ADC, ADC, 125 degrés. Bon, ça ne colle pas vraiment, hein, parce que 125, c'est un angle obtus. Donc, peut-être sûrement, 125, ça va être comme ça. Et voilà, B, A. Il faut toujours modifier les croquis. Comme on dit, croquer les croquis. Voilà, c'est un esquisse plus proche de la réalité que celle-ci. AB, 5 cm,
BAC 35 degrés, ADC 125. Comment construire vraiment ce parallélogramme? Et il faut se rappeler les propriétés du parallélogramme. Les angles opposés sont égaux, ou de même mesure, si vous préférez, 125. Alors, constatez que le triangle ABC, il est facile à construire. Un côté, 5, à la règle, bien sûr, et avec le rapporteur, BAC de 35 degrés, et l'autre angle, 125. Heureusement que la somme, vous avez senti, la somme de ces deux angles est plus petite que 180 degrés. Sinon, ça n'aurait pas marché. Et voilà, le triangle ABC est construit. Et pour trouver le point D, ça fait 36 000 fois que je vous ai dit, je trouve le milieu OC, le point O, et le symétrique de B par rapport à O. Et voilà le point D. Donc, le parallélogramme ABCD, qui bien sûr n'a pas la gueule d'un parallélogramme parce que je n'ai pas utilisé les instruments. Construire en vraie grandeur un rectangle IJKL tel que IJ égale 5 cm et JL 8 cm. Rectangle, à main levée, comme d'habitude. IJKL, IJ5, JL, JL, 8. Aha! Comment faire? Facile, hein? On rappelle qu'ici un angle droit. Alors je construis le segment IJ, en règle graduée, 5 cm. Je trace la perpendiculaire à la droite IJ, perpendiculaire en I. Et je vous rappelle qu'il y a le compas. Qu'est-ce que je fais avec le compas? La pointe en J. Je trace un arc de cercle de rayon 8 cm. Et bien sûr, cet arc va couper cette perpendiculaire quelque part. Et ce point s'appelle L. Voilà. Facile. Comment trouver K? Il y a plusieurs méthodes. Je vous rappelle la méthode la plus simple. Cherchez O, le milieu de LJ, et faites le symétrique de I par rapport à O. Voilà. Construire en vraie grandeur un losange. Schéma ou croquis. Ou figure à main levée. Alors, E, F, G, H, E, G, 3 cm, E, H, G, 30 degrés. Bon, 30 degrés, ça, c'est assez obtus, hein? Donc je vais le diminuer, ne vous en faites pas. 30 degrés, voilà, 30 degrés. Et la diagonale E, G et l'autre bout du losange F. Voilà. EG 3 cm. Bien. Le croquis est assez proche de la réalité. Alors, comment construire ce losange avec ces données-là? Je rappelle qu'un losange a tous les côtés égaux. Tous. Donc ici, je dois construire un triangle qui a deux côtés égaux. Comment s'appelle? Bien sûr, isocèle. Isocèle avec 3 cm ici. Les angles à la base d'un triangle isocèle, rappel, sont égaux. Autrement dit, ces deux angles sont égaux. Mais combien ça vaut chacun? L'angle au sommet, c'est 30. 180 degrés moins 30 égale 150. 150 divisé par 2 égale 75. Donc, je construis le triangle EGH. Coule avec un côté de 3 cm et ses deux angles de 75 degrés, comme j'ai fait quand j'ai construit le triangle égaux. Et puis, qu'est-ce que je fais? De nouveau, pour trouver F, je rappelle pour la énième fois, facile, le milieu O du segment EG,
symétrique de H par rapport à O, et je trouve le point F.